Bonjour et bienvenue donc à la visite du 43 rue Escudier à Boulogne. Nous allons nous rendre du coup dans cet immeuble au premier étage. Donc rue commerçante, au pied de tous les commerces, il y a un marché également sur le bout là-bas. Voilà, vraiment très bien en termes de commodité. Les transports également juste à côté. Alors, le premier accès se fait donc soit par interphone pour les invités ou Vigic pour nous. Hop. Et je vais vous montrer ça. Donc nous voilà dans le premier hall d'entrée. Donc nous, l'appartement se trouve sur le bâtiment court. Là vous avez le sas avec les boîtes aux lettres. Et donc pour la deuxième porte, également un Vigic. Hop. Et nous voici donc sur la cour intérieure. Donc, vraiment très sympa, arboré. Il y a une petite maison ici, et nous l'immeuble en question est juste là, et on va aller au premier étage. Donc pas d'ascenseur. Voilà, donc au premier étage. On a la fibre optique dans l'immeuble. Et nous voici donc dans l'appartement. Alors, on a une petite entrée avec tout ce qui est électricité, interphone, tout ça a été refait. On va avoir en face la cuisine, à notre droite le séjour, et par ici la salle d'eau. Alors, pour la cuisine qui est juste en face, elle est entièrement aménagée et équipée. Comme vous le voyez, elle est plutôt propre, elle est même très propre. Il y a les fours, la plaque, la hotte, réfrigérateur, congélateur. Et ici, vous pouvez brancher la machine à laver. La vaisselle, pardon, excusez-moi. La machine à laver, elle va aller dans la salle d'eau. Donc, en parlant de la salle d'eau, la voici. Une petite salle de douche avec vasque, miroir. Et le branchement machine qui vient ici. Très fonctionnel, on a une petite fenêtre et une VMC également. Donc la pièce principale, donc très belle pièce principale, avec parquet point de Hongrie, très grande pièce, très vaste, avec un poêle qui a été conservé, très sympa. Donc, très très calme, complètement sur cours. Et donc au fond, la chambre. Voilà, chambre de taille classique, correcte, de quoi mettre un lit double et une armoire sans trop de soucis. Donc PVC double vitrage pour les fenêtres, chauffage électrique donc pour le chauffage, l'eau chaude également. Et il nous manque les toilettes qui sont juste cachées là, derrière cette porte. Donc voilà, toilettes pareilles qui ont été refaites, toilettes suspendues, avec le ballon d'eau chaude qui se cache ici. Voilà, vous avez tout vu pour ce bien de deux pièces, rue Escudier,